Non, mais je te jure, mais vérifie. Mais Jean-Pierre, non, mais Jean-Pierre Pignon, je suis inscrit, regarde sur le track de l'angoisse. Non, mais cette année, je compte bien faire moins de 3 heures. Non, mais je t'assure, mais d'ailleurs, je pars m'entraîner, là. Non, mais je te jure, mais tu me crois pas. Non, mais purée, c'est pas vrai. Tu vas où dans cette tenue? Entraîner pour le track de l'angoisse. Tu veux manger quoi ce midi? Choucroute! Encore? Je suis un sportif, moi j'ai besoin d'énergie! Putain, j'ai une patate, moi je vais tous te les piler! Hello Jean-Pierre, bienvenue en enfer. Puisque mon ami la mort t'a conduit à moi, Jean-Pierre, prends donc place, qu'on discute de ton avenir. Et vu que ton dossier a été refusé là-haut, il faut dire qu'il ne plaît pas en ta faveur, Jean-Pierre. Tu es vraiment un humain de la pire espèce. Tu as toujours été un malfaisant, mauvais avec les femmes, avec tes collègues, escroc. Jean-Pierre, qu'espérais-tu, franchement? De surcroît gourmand, mais je t'en prie, serre-toi. Ton dossier est un bon condensé des 7 péchés capitaux, Jean-Pierre, le client idéal. J'ai quelque chose à te proposer, Jean-Pierre. As-tu déjà goûté à la chair humaine? Ne fais pas le dégoûté, voyons. C'est une expérience comme les autres. Tu es sportif. Tu voulais faire le trail de l'angoisse? Je te propose de le faire à ta manière, en dévorant les autres. Tu me remercieras plus tard. La mort emmène donc notre ami Jean-Pierre vers son destin. C'est l'enfer, Jean-Pierre, le thème, l'enfer.